Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cessia. Aujourd'hui on va parler donc d'une application qui vient tout juste d'être mise à jour et cette application s'appelle le localisateur. Une application accessible aux personnes aveugles et malvoyantes mais pas que puisque vous en tant que malvoyant vous pouvez l'utiliser car elle recèle tout un tas d'applications internes très appréciables pour le quotidien. Cette vidéo va concerner la mise à jour d'une application extraordinaire. Cette application s'appelle le localisateur. Beaucoup de gens connaissent le localisateur. Cette application est accessible sous iOS et sous Android. Elle vient tout juste d'être mise à jour sous iOS. Et franchement, voilà pourquoi je vais vous en parler, car elle est vraiment excellente. Alors surtout, si vous voulez rien rater sur les nouvelles technologies, et sur les nouveautés iOS, Android, macOS et Windows, abonnez-vous, c'est gratuit, ça se passe sous la vidéo. Partagez cette vidéo avec vos amis pour qu'ils puissent découvrir les nouvelles technologies accessibles. On va tout de suite rentrer dans le détail de cette vidéo sur cette application du nom de... Localisateur. Localisateur, complètement refondu que pour vous. Cette application est entièrement accessible aux personnes en situation de handicap visuel. L'application Localisateur. Qui, lorsqu'on l'ouvre, je vous mets tout de suite l'application en gros sur votre écran, lorsqu'on l'ouvre, on, on s'aperçoit tout de suite de la nouveauté. On est maintenant... Avec de gros boutons, avec des sous menus, une application entièrement repensée, entièrement accessible à VoiceOver. Attention, sous Android, elle n'a pas été mise à jour. Cette application est entièrement pensée pour les personnes en situation de handicap visuel, malvoyants et non voyants. Et vraiment, on n'est pas déçu du voyage. De la géolocalisation, du YouTube. Des journaux accessibles, de la musique, des podcasts, enfin tout un tas de choses qui va ravir les utilisateurs du localisateur. Un grand merci encore à Philippe Léon d'avoir développé cette application en collaboration d'ailleurs avec l'ABH. Tout un travail a été fait derrière. Cette application va être sous forme de quatre boutons. Le premier Menu, bouton, géolocalisation, bouton. Siri, bouton. Donc quatre boutons qui, lorsqu'on va cliquer dessus, on ouvrira donc le sous-menu de ce bouton et nous fera découvrir différentes applications. Ce qu'on va faire tout de suite. Comme vous avez pu entendre, le dernier bouton, raccourci Siri, va nous permettre de créer des petits raccourcis avec Siri pour aller plus rapidement ouvrir telle ou telle application. Et ça, c'est franchement génial aussi. On va ouvrir le premier petit bouton du haut qui s'appelle... Menu, bouton. On va rentrer à l'intérieur. Chargement en cours. Mes rubriques en tête. Une fois qu'on rentre dans ce bouton, on a donc mes rubriques. On va écouter ces rubriques. Annuaire, bouton. Commerce, bouton. Culture, bouton. Économie, finance, bouton. Hobby, loisirs, jeux, bouton. Musique, radio, bouton. Podcast, bouton. Presse, bouton. Service, bouton. Transport, bouton. Vie pratique, bouton. Retour, accueil, bouton. Voilà, donc comme vous venez d'entendre, dans cette rubrique menu, beaucoup de choix nous sont offerts. Et ça, c'est vraiment très sympathique. Tiens, on va retourner un petit coup en arrière. Le localisateur. Et le deuxième bouton concerne. Géolocalisation. La géolocalisation. Bouton. On va rentrer tout de suite à l'intérieur. Géolocalisation, en tête. Une fois qu'on rentre à l'intérieur de ce bouton, on va retrouver. Aide au guidage, bouton. Deux boutons Aide au guidage, Service à proximité. Bouton. et les services à proximité. Alors, dans Aide au guidage, on a toutes les annonces bouton. Toutes les annonces qu'on a autour de nous où bouton. et le bouton où suis-je. Si vous ne savez pas où vous êtes, vous allez pouvoir savoir dans quelle rue vous vous trouvez et qu'est-ce qu'il y a aux alentours et ça, c'est vraiment génial. Grâce à la géolocalisation, vous allez pouvoir aussi avoir la possibilité d'avoir du guidage en temps réel sur les transports en commun de certaines villes. On va voir tout à l'heure dans la vidéo, tout ceci. Après le bouton géolocalisation, nous avons le bouton Aide. Aide, bouton. On rentre. Mention le localisateur, version Windows, Internet, mobile. Copyright Philippe Léon, 2011-2020, tout droit réservé. Avec le soutien de la Fondation Valentin A8, le soutien des utilisateurs. Le localisateur est un logiciel gratuit, à usage personnel et non commercial, pour les personnes en situation de handicap visuel. Qui s'appuie sur des sites et données publiques qui proposent une information gratuite à usage personnel. Interface graphique mobile. Le localisateur, bien sûr, est une application entièrement accessible sous Windows, sous macOS, sous iOS, Android et entièrement gratuit. Donc n'hésitez pas à la télécharger, n'hésitez pas à aller voir sur internet le localisateur car il vous offre des possibilités extrêmes en termes d'accessibilité. Nous allons nous diriger sur le bouton raccourci Siri. Bouton raccourci Siri. Raccourci en tête. Donc, que nous donnent ces possibilités dans les raccourcis Siri Raccourcis ajoutés en tête. YouTube sur localisateur. Ouvre YouTube sur localisateur. Bouton. Donc, grâce à ce bouton, on va pouvoir demander à Siri d'ouvrir YouTube à partir du localisateur. Et ça, c'est plutôt cool. Tous les raccourcis en tête. Donc, les raccourcis existants qui sont déjà créés. Aide au guidage sur localisateur, ouvre la page Aide au guidage sur localisateur. On a donc l'aide au guidage. Service à proximité sur localisateur. Ouvre le service à proximité. Presse sur localisateur. Ouvre. Le... La presse. Le retour accueil. YouTube sur localisateur. Et YouTube. D'ailleurs un grand merci à Philippe Léon, puisque sachez que la chaîne Vision Hightech est entièrement intégrée dans le localisateur à partir de YouTube. Pour encore plus de facilité pour aller voir les vidéos que j'ai faites sur ma chaîne sur YouTube. On revient sur le premier bouton. Le localisateur. Menu. Bouton. Chargement en cours. Mes rubriques. En tête. Donc dans menu et mes rubriques. Annuaire. Bouton. On a donc l'annuaire si je rentre à l'intérieur. Annuaire. En tête. Possibilité. Recherche d'un particulier. Bout de la recherche d'un particulier. Recherche d'un professionnel. Ou la recherche d'un professionnel. Et comme vous pouvez l'entendre, tout ceci en toute accessibilité et en toute autonomie. La chaîne Vision Hightech est là pour ça, pour essayer de vous transmettre des informations pour que vous soyez le plus autonome possible, le plus à l'aise possible avec les nouvelles technologies. D'ailleurs, dites-moi vous-même si vous utilisez le localisateur, si vous avez installé cette mise à jour et qu'est-ce que vous pensez de cette mise à jour Ça m'intéresse vraiment et ça va certainement intéresser Philippe Léo. Donc après annuaire, nous avons commerce, bouton. Les commerces. Mes rubriques, chargement en cours. Alors dans les commerces, nous avons tout ce qui est sur les livres audio. Livres audio Audible, bouton les livres audible livre audio, audio libre. bouton livre audio fnac bouton picard en rayon bouton picard en rayon, en rayon. Bouton. tout par gel et tout par gel et tout ceci tout accessible bien sûr après les commerces nous avons culture. la culture culture en tête. alors vous pouvez vous rendre compte tous les services qui vous sont offerts gratuitement ici c'est vraiment énorme avec tout en liste sur un fond noir avec l'intégralité de l'accessibilité pour les personnes malvoyantes, les personnes non-voyantes et les personnes dyslexiques. Donc, vraiment une grande ouverture sur l'accessibilité de l'application. Spectacle en audio description. Les spectacles en audio description. Conjugaison. Bouton. Dictionnaire des musiciens. Bouton. Dictionnaire des rêves. Bouton. Dictionnaire reverso. Bouton. Géographie. Territoire du monde. Bouton. Histoire. Bouton. Synonyme, bouton. Wikipédia, bouton, wiktionnaire, dictionnaire libre, bouton. Voilà, donc quand vous venez d'entendre toute une série de dictionnaires, toute une suite qui va vous permettre de vous renseigner, d'avoir de la description, d'avoir de la définition. C'est vraiment énorme. Et vraiment, on peut que féliciter Philippe pour tout ce travail qui a été fait sur le localisateur. Économie finance. On a même des possibilités dans l'économie et finance. Économie finance. Bouton. Cotation du CAC 40. Bouton. SBF 121. Barre oblique 3. SBF 122. SBF 123. Cours de Laurent direct. Sélectionné. Hobby, Loisir. je. Après donc la finance, on va passer au loisir. Hobby, Loisir. je. Bouton. Hobby, Loisir. je. Cuisine à Z, les recettes par catégorie. Bouton. Alors on a maintenant les possibilités d'avoir des livres de cuisine, ce qui est très sympathique et très accessible. Cuisine à Z, les recettes. Marmiton, les recettes. Marmiton, bouton. cuisine de A à Z. Thermomix, les recettes. Bouton. Le Thermomix. Résultat des jeux de tirage, FDJ. Bouton. Et les résultats de la française des jeux, ce qui est assez sympathique. Et aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout ceci en toute accessibilité. Musique, radio, bouton. On a donc la possibilité des musiques et radios, On rentre à l'intérieur. Radio, radio française, bouton. Radios internationales. Bouton Radio Locale Bouton Parole de Chanson Bouton YouTube Bouton YouTube Les chaînes YouTube Les chaînes Vous rentrez à l'intérieur YouTube Les chaînes Vidéo En tête 3 partages Wi-Fi Code QR sur iOS 13 5 raccourcis Siri partage Connexion Wi-Fi 4M, 3 Frontier, Montre connectée, 5 iOS, 14 en fuite, nouvelle fond. Donc, sans problème, en toute accessibilité, pas besoin d'aller sur YouTube. Vous passez par localisateur et vous trouvez toutes mes vidéos. Voilà donc pour le choix musique radio, podcast, bouton, possibilité des podcasts. On va rentrer à l'intérieur. Alors, comme vous pouvez entendre, il y a quand même énormément, énormément de choses à l'intérieur de cette application qui peut vous, vous faire passer une magnifique journée en toute accessibilité. France Culture, Européen, France Info, France Inter, Langues étrangères, Littérature audio, Le Localisateur, France Musique, Radio Classique, Bouton. Voilà, donc vous découvrirez et vous me direz en commentaire tout ce que vous pensez de cette nouvelle application, Le Localisateur, cette mise à jour qui est vraiment énorme. On a la presse. Presse, Nationale, Bouton, Régional, Bouton, Féminin, Santé, Loisirs bouton sport bouton spécialisé bouton économique bouton international bouton Donc ces boutons ont un sous-menu par exemple École, spécialisé spécialisé Spécialisé. spécialisé en. En, le monde informatique bouton lire magazine culture l'express mac génération le moniteur pèlerin book pleine vie book science et avenir voile et voiliers bouton Imaginez-vous tout ça à faire dans une journée, c'est quand même assez énorme. Donc, vraiment, il y a de quoi faire dans cette application, le localisateur. Cette application peut être très utile pour lire très simplement et très fluidement vos meilleurs articles et écouter vos meilleurs podcasts. Service, bouton. Alors, les services. Service, en tête, calculatrice, bouton. On a donc une calculatrice qui n'est pas négligeable. Commune de France Info, bouton. Quelle jour est-ce, bouton. Calendrier scolaire. « 2, 0, 1, 9, 2, calendrier scolaire. » Et on arrive à la rubrique qui est assez intéressante. « Transport, transport 14 éléments, champ de recherche. » Là, 14 éléments, comme vous venez d'entendre, c'est assez sympathique. Vous allez entendre tout ce qui se passe. « à proximité, transport, en tête. » Nous voici dans la rubrique « Transport » qui est là et très intéressante. Vous allez entendre tout ce qui se passe. « à proximité, bouton, horaire SNCF, données publiques, bouton, rue de Paris, bouton, Angers. » Temps de passage réseau Irigo bouton. Alors ce qui est super intéressant, c'est que là on va avoir les temps de passage dans ces différentes villes des transports en commun. Et ça c'est vraiment génial, puisque vous allez pouvoir bénéficier de l'information jusqu'en vous allez arriver à l'endroit prévu, par exemple l'arrêt de bus, métro, etc. Annecy, temps de passage, Angers. On a Angers, Annecy, temps de passage, Avignon, temps de passage, Besançon, temps de passage, Bordeaux. Temps de passage, Caen. Temps de passage, Chambéry Temps de passage, Dijon. Temps de passage, Grenoble. Temps de passage, La Rochelle. Temps de passage, Le Mans. Temps de passage, Lille. Temps de passage, Lorient. Temps de passage, Lyon. Temps de passage, Réseau TCL Citral. Temps réel. Metz. Temps de passage, Montpellier. Temps de passage, Nancy. Temps de passage, Nantes. Temps de passage, Nice. Temps de passage, Réseau Nîmes. Temps de passage, Quimper temps de passage Paris de France, temps de passage Rennes, temps de passage Saint-Étienne, temps de passage Sète, temps de passage Strasbourg, temps de passage Côte d'Armor, temps de passage Toulouse, temps de passage Tours, temps de passage Vannes, temps de passage retour accueil. Voilà donc toutes les villes qui sont équipées par localisateur et vous allez pouvoir entendre en temps réel le temps de passage des transports en commun et ça c'est franchement génialissime, c'est vraiment top de chez top. C'est pratique. On va aller donc dans Vie pratique. Vie pratique. En horoscope du jour. Bouton. Horoscope chinois du jour. Bouton. Écoutez aujourd'hui. Bouton. Météo en France. Bouton. Santé. Notice des médicaments. Bouton. Programme télé. Bouton. UGC. Films en audio description. Bouton. Retour accueil. Une application ultra accessible. Sur cette première page d'accueil où l'on trouve les quatre boutons, complètement en bas à droite, vous allez avoir le bouton Paramètres, on rentre à l'intérieur. En tête. Et ici, maintenant, vous avez tout un tas de paramètres que vous allez pouvoir régler suivant ce que vous avez besoin. On va écouter ensemble. Police, en tête. On peut donc régler la police, les caractères par rapport à certaines personnes malvoyantes ou certaines personnes ayant des problèmes de dyslexie. Sélectionnez. Défaut, San Francisco, bouton. Open dyslexique, bouton. Voilà donc ici pour les personnes en situation de dyslexie. Luciole. Bouton. Couleur. En tête. On peut jouer sur la colorisation. Sélectionner. Défaut. Texte bleu-vert sur fond noir. Bouton. Texte blanc sur fond noir. Bouton. Texte noir sur fond blanc. Bouton texte bleu sur fond jaune. Bouton texte jaune sur fond bleu. Bouton texte noir sur fond vert. Donc, comme vous pouvez entendre, tout a été pensé pour les personnes en situation de handicap visuel, malvoyante, et ça, c'est vraiment énorme. Retour, accueil, le localisateur. Voilà donc pour la rubrique des paramètres. à vous de jouer maintenant. Je vous laisse découvrir toutes les nouveautés de cette mise à jour de l'application Le Localisateur. Bien sûr, comme je vous ai dit, accessible sous iOS, Android, macOS, Windows. Donc, toute plateforme. Encore un grand merci pour ce développement entièrement gratuit. Qui vous est offert. Donc, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires un petit merci à Philippe pour qu'il puisse voir vos commentaires et voir que son application est vraiment utile à beaucoup de monde. Pensez à vous abonner, donc... liker et partager comme d'habitude. Et on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo, nouvelle technologie, bien sûr accessible. à bientôt pour la prochaine. Salut à tous. Merci à vous d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Cessia. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc pour continuer à nous encourager à vous abonner sur la chaîne Cessia, à liker et à partager avec vos amis. On a encore beaucoup de vidéos sous la pédale à vous proposer. Merci à vous et à très vite sur la chaîne Cessia.